Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de sport. On est parti pour quelques minutes de mouvement. Allez, on commence directement sur notre forme karaté. Ok, comme hier, cette fois on va simplement avancer. Oitsuki Gakutsuki, d'accord? Je suis là. Oitsuki Gakutsuki, et vu que je reviens en arrière, je me repose. Gadenbai Gakutsuki, d'accord? Donc j'avance. Oitsuki Gaku. Je ramène, Gadan, Aisuki, Aisuki Yagotsuki, bam, je reviens à Kamae, Ich, Tsir, Ni, Tsir, Sam, Tsir, Chi, Tsir, Go, Tsir, Look, sur l'échauffement, déployez vos mouvements, d'accord? Je suis un peu plus bas sur mes aides-coudes, donc je chauffe un peu, d'accord? Donc on est là. Ichi, ni, très bien. Allez, maintenant, toujours sur Zengutsu, on avance. Je donne le pied. Imaginez que c'est une percue, d'accord? J'avance, waouh, comme si je voulais taper quelqu'un avec mon avant-bras, d'accord? Rentrez dedans. Gyaku, Mawashi. Oh my god, on va faire plutôt. D'accord? On revient. Yokuchi. Donc, on avance. Percu. Percu. Maigiri. Je reviens. Boum. Yokuchi. Ok? Allez. Hey, hey. Oh, pardon. Tire. Tire, tire, tire. Pour que ce soit plus sympa, atterrissez en chicot. D'accord? Donc, on est là, on avance, boum, on percute. 2, 3, on revient. Hop, Shiko Ashidachi. D'accord? Bam, bam. On revient, Maïri. Bam. On est reparti. 1, chou. 2, hip, hip, chou. 3, hip, 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 6, 4, hip, 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 6, 5, hip, 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 6, 6, hip, 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 6, 7, hip, hip, 7, 8, hip, 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 9, hip, hip, 10, hip. Et on revient. Donc, pensez, les styles tradis sont moins axés efficacité que les styles boxés. Ok. Par contre, pensez que ce qui peut être une défense, un blocage. Pensez les blocages, c'est dur. Seul gros blocage qui sont solides, c'est ceux des jambes ou complètement qui bloquent. Mais c'est pas fait pour casser, aller vers. Mais pensez que tout blocage peut devenir une attaque. En karaté, ça serait plutôt ça. Mais si on prend les styles un peu philippins, ça serait revenir avancer avec l'avant-bras ou en Wing Chun. On pourrait imaginer un bon sao qui nous permet de revenir. Allez, l'autre côté. Même chose. Je percute. Bam, bam, maigiri.
Reviens. Bon, en chic. Allez. Et Edge. Psir. Né. Hip. Psir. Psir. Sam. Hip. Psir. 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 Et descendez bien sur le dernier. Go. Psir. Look, hip, tier, sit, tier, head, tier, two, tier, two, tier. Donc, on pense que tous nos exos. On y met du kiné, on tente d'être solide sur nos jambes, ok? Toujours à partir de Zenkutsu, on va partir Nekoashi, on va partir, on va le faire en diagonale plutôt, arrière, d'accord? Donc, je suis sur l'axe frontal, je décale, d'accord? En diagonale. Je décale avec la jambe arrière. Ok. Je reviens. Gyakutsuki. Mawashi. Ok. Et on revient. Donc, je suis ici. Je pars. Je donne une percue. Je ramène jambe avant. Mon idée, sortir de l'axe du partenaire. Mon partenaire est là. Décalage, absorption. Je rentre, percue, et je renvoie. Ok ? Allez. Kamae. 1, 2, hop. 2, 3, 4, 5, 6. Votre jambe elle doit partir facilement parce que vous avez tout le poids sur l'arrière. Là ici, c'est léger, vous avez absorbé. Boum, ça part facilement. 7. 8. 9. 10. Ok. Donc, on pense. Là, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir absorber. Je peux repartir rapidement avec mon pied. Je peux reposer et repartir facilement. Je fais juste un transfert de poids. Ok. Voyez ce qui vous convient le mieux. Zenku, boum. J'arrive, je peux percuter, au contraire, je reviens et en revenant, en retransférant mon poids sur l'arrière, je mets mon kick, comme vous voulez. Kick en deuxième, kick en troisième. Pensez, ce qui m'intéresse, c'est votre décalage. 1, 2, 3, allez. 6, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On pense vraiment à ça. Je ne peux pas rester constamment sur la ligne de mon partenaire. Je vais être en danger. S'il a une arme, s'il est trop lourd, je vais galérer. D'accord ? Donc, je pense bien
à utiliser mes diagonales pour partir ou mes rotations. La réalité, c'est que c'est assez simple quand on fait du karaté, puisqu'on a des, ou des styles tradis, on a des angles longs, donc c'est assez facile de tourner. Mais quand on va être sur des appuis plus hauts de boxe, il y a des moments, il faut qu'on retrouve le bon appui pour le faire. Et vu qu'on est plus court, c'est parfois plus dur. D'accord ? Hormis peut-être pour la diagonale, où là ça peut aller plus vite. Mais pour les rotations, c'est parfois plus dur quand on est haut. Ok. On va maintenant garder main ouverte. Et on va travailler un coup qui marche pas dans la réalité, hein, qui va être de donner un shuto, frappe avec le sabre de la main. On le voit beaucoup, tous les shuto, c'est tout un travail main ouverte, mais qui est intéressant pour les armes après, d'accord? Donc, on se met sur notre process, hop, et on pense shiko ashidachi en diagonale, d'accord? Bam! Je percute et je vais de l'autre côté. Bam! Tetsui. Donc, là, mon objectif d'exercice, passer dans un kutsudachi à un shiko ashidachi. Shiko ashidachi dans l'autre diagonale. Tetsui. D'accord? Tetsui, marteau de la main. D'accord? Comme quand on fait le Donkey Kong. Sauf que là, ça va être sur le côté. On pense. Les mains ouvertes sont plus intéressantes pour éviter de se casser quelque chose. D'accord? Donc, on est ici, on arrive. Voilà. Pardon, ça brûle la main. Yep. Un, bam, deux, tchè. On y retourne. Un, deux, tchè. Et deux, trois. Un, et on y retourne. Ce qui m'intéresse là, c'est vraiment que vous alliez changer d'axe. C'est le plus important. Prenez dans votre tête cette notion. Je ne reste pas dans l'axe. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc, c'est pas quelque chose de réaliste et d'effectif en combat, on est bien d'accord. Par contre, ça nous permet de capter des variations d'angle et de nous permettre de ne pas rester dans la ligne tout en renforçant l'autre corps. D'accord? Je vais être là. Après, je repars. Je comprends bien que je ne veux pas rester en face de mon partenaire. Donc, je pars ici. Et je veux percuter. Donc, on est reparti de l'autre côté. Kamae. 1. Tire et 2. 2. Revenez bien à chaque fois. Bon zenkutsu. Shikohashi. Tire 3. Tire 4. Tire. Tire 5. Mais c'est du kimé, hein. Là, ça doit être fort pour vous. Vous lâchez tout, intérieur, extérieur. Ça doit casser. C'est vraiment, c'est pas l'ouragan où je demande un mouvement de poignet. C'est tout le bras, bam, qui se détend. Comme tout à l'heure quand je vous disais, Jodanuke, en mode percussion. Se percute avec l'avant-bras. Mettez du kiné. Allez. 6. 6. 5. 6. 6. 6, 6, 7, 6,
Sire. 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 10. Ok. Pour les un quart d'heure. Pousse. Donc, on a un travail qui va être de plus en plus à devoir partir des angles d'attaque. Je reprends ma posture de boxe. Plus haut, garde, plus haut également. On fait 1, 2, décalage diagonal. Je suis là, gauche, droite, je me retire. Donc, je suis allé même sur mon partenaire et je suis reparti. Je ne reste pas dans son angle. 1, 2, je repars. Allez. Hé, ni, hé, sam, hé, chi, go, look, sage, edge, hip, cue, hip, ju. Donc, je pense, je suis allé percuter mon partenaire, je m'en vais de l'axe, je ne reste pas sur les axes. Je fais attention, il peut me contrer, il peut avancer, il peut venir lutter. J'évite d'être sur un axe trop simple pour lui. Ok ? On reprend de l'autre côté, j'avance, jab, cross, j'absorbe. Allez, itch. Ne, tsutsir, san, tsutsir, chi, tsutsir, go, tsutsir, look, tsutsir, sage, tsutsir, aj, tsutsir, q, hip, yeah, ju, hip, yeah. Très bien. Donc, on est sur cette idée-là constante de se dire je tente de me mettre en sécurité. Les styles tradis vont dire je rentre, je ressors et je vais loin. Les styles boxés, c'est je dois éviter de prendre des coups durs. Je reviens sur un principe de base, vous allez prendre des coups. Donc le tout, c'est diminuer les coups au visage et protéger les coups au corps. Les coups au visage, on tente d'envoyer loin sa tête, de protéger sa tête, de bloquer le cas échéant avec ses avant-bras. C'est la clé. Ici, bien sûr, on peut tomber avec un coup au foie, on peut tomber avec un coup au plexus, on peut tomber parce que une coup de casse où ça fait très mal. Il y a plein de raisons. Mais c'est pour ça qu'on tente d'avoir une garde assez hermétique. Ok, on recommence sur notre notion. Cette fois, on va faire j'avance, uppercut, cross, et je vais décaler jambe avant, mawashi. C'est un tai sabaki. Il y a un style de karaté qui a beaucoup développé le sabaki. C'est Henshin Karaté, qui est un sous-modèle de Kyokushinkai, qui a beaucoup travaillé sur la notion sabaki, c'est-à-dire rotation. Ok, donc on avance, uppercut, cross, décalage. Vous allez le faire pour l'instant en crochet. On verra le mawashi après. D'accord? Pour être dans la cohérence. 1, 2, je décale. Et je veux que vous insistiez, exagérez sur le crochet que vous allez donner. J'arrive. 1, 2, je décale. Et là, exploiter complètement la rotation pour donner un coup de poing fort. 1, 2, 10. 2, 10. 3, 10. 4, 10. 5, 10. 6, 10. 7, 10. 8, 9,
10. Yes. Donc, là, notre idée, c'est vraiment de laisser dans le vent le partenaire. En tout cas, réussir à le faire. J'arrive, je suis proche. Je décale. Bouh! S'il revient sur moi, je peux contrer, je peux y aller. Je suis pas dans son axe de force. 6, 6, 10, 2, 6, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6, 9, 6, 6, 6, 10. Donc, on pense toujours nos techniques de bras, il n'y a pas besoin qu'elles soient compliquées. Pareil, nos techniques de jambes, on n'a pas besoin de faire des coups compliqués quand on est sur des phases boxées. Mieux faire un middle kick plutôt que connaître 15 coups de pied différents. Il y a peut-être un ou deux coups de pied dans les X que vous connaissez qui passeront peut-être une fois dans le combat. Mais si vous n'avez pas réussi à mettre KO, bah ça passera pas deux fois. Très 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 rare. Ok? Donc, on continue sur notre box. On va rajouter un kick. Je suis là, gauche, droite. Ce coup-ci, je décale de l'autre côté. My gay. D'accord? C'est un peu plus long. Ça voudrait dire, en fait, que le mec, j'ai mal anticipé. Je pars en diagonale pour, par exemple, donner un mawashi. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis arrivé ichni. Je pars en diagonale, ça passe pas. Je décale. D'accord? Et là, je finis sur my gay. Donc on fait ça, j'avance, jambe en diagonale, je décale, ça marche pas, boum, je peux aussi faire un yoko guerrier. Yoko, ça vous fera du bien de le bosser, pour ceux qui ne sont pas habitués, d'accord? Yoko, coup de pied latéral, d'accord? On l'avait vu, c'est pas un coup de pied en circulaire, c'est vraiment je ramène à moi, et parce que je ramène à moi, boum, je laisse aller le mouvement. Je suis là. Si, si. Yep. Yeah. Allez. Deux. Si, si. Yep. Si. Trois. Si, si. 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 Quatre. Si, si. 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 Cinq. Si. Six. 7, 8, 9, 10. Donc, c'est là où la disponibilité des appuis a de l'importance. Je dois être disponible sur mes appuis. Je dois être capable de pouvoir les lever, les bloquer, les tirer, les pousser, les entraîner. Je dois être le plus possible réactif et disponible sur mes appuis pour pouvoir bouger, changer d'angle, etc. Parfois, surtout les légers, ont l'habitude d'être énormément en déplacement, tout le temps. C'est cool, mais parfois, il y a un contre-coup à ça, il crée un pattern, un schéma récurrent qui fait que dans leur hyper mouvement, ils ont tellement l'habitude de faire quelques postures qu'ils ont bien gérées, qui sont moins disponibles paradoxalement que parfois quelqu'un qui est juste sur un avant-arrière très léger. En fait, où là, il est tout le temps en train de vérifier sa disponibilité. D'accord ? Il sait qu'il peut poser, il sait qu'il peut poser, il sait qu'il peut tourner. C'est pas trop lourd. Et c'est pour ça qu'à la base, on voyait les gars du Muay Thai, quand c'était un peu exagéré dans le stéréotype, on avait l'impression qu'ils étaient tout le temps en train de faire ça. Ils rendent disponibles les appuis. Là, quand on est là, plus on est long, moins on rend certains angles disponibles.
Plus on est court, plus on les rend disponibles, mais moins on est stable. Allez, on fait de l'autre côté. Donc, on est toujours sur le même principe. 1, 2, je pars sur ma diagonale. Boum, Yoko Geri. Ok, allez, sire, 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 et sire. Ni, sire, sire, et sire. Fin, sire, sire, et sire. It's here. It's here. It's here. Go. It's here. It's here. Look. It's here. It's here. It's here. It's here. It's here. Hand. It's here. It's here. Q. It's here. It's here. It's here. And you. It's here. Donc, on voit que si on avait une double croix, donc une croix perpendiculaire et une croix diagonale, on aurait bien sûr possibilité d'aller dans une diagonale, possibilité probablement d'aller dans l'autre, possibilité d'aller tout droit, d'aller sur le côté, possibilité d'aller à 90, possibilité d'aller à l'autre 90 et possibilité d'aller diagonale ou diagonale. C'est les mouvements et la possibilité du mouvement qui peut être important en combat. Maintenant, je ne dis pas, notamment par les styles durs de karaté qui ont beaucoup appris l'encaisse, parfois les mecs ils restent au centre et ils encaissent. Ils encaissent pour bam donner dur à chaque fois. Au bout de quelques matchs, le corps est très abîmé, mais c'est souvent une manière de faire plutôt qu'utiliser de l'énergie en mouvement. Ils utilisent de l'énergie en encaisse. Deux mondes différents, deux perspectives du combat différents. Ok, reprenez votre bouteille. On va retravailler notre côté un peu Kali et Srima. Je vous rappelle, on est sur une notion de triangle. J'ai ma pointe qui est derrière. Et j'y vais. D'accord ? Donc, premier mouvement, angle 1. Quand je passe de l'autre côté, j'ouvre, je pars en diagonale. Quand je reviens de l'autre, angle 2. D'accord ? Donc, angle 1, angle 2. Angle 1. Angle 2, angle 1, angle 2, angle 1, angle 2. Vous pensez bien, votre idée est d'aller trancher en diagonale. On a l'idée en fait d'être avec une dague, ou d'être avec un couteau, ou d'être avec un bâton, c'est ce que je vous disais. Donc si j'ai un couteau, je travaille angle 1, angle 2. Angle 1, angle 2, d'accord? Donc quand je suis là, je tranche 1, je reviens, je tranche 2, ou là, vu qu'on fait un switch de jambes, 1, et je reviens, 2, d'accord? On fait gaffe parce que la lame, elle a un certain poids, et on doit faire attention, et c'est là où c'est super le Kali, mais quand on y pense, qui est-ce qui va s'amuser à trancher une gorge? On n'est pas nombreux, il y en a peut-être qui le font, hein. Mais c'est assez rare. Donc on garde notre arme près de nous. Le couteau, vous avez vu, je ne vais pas le mettre comme le bâton. Je vais plutôt le mettre proche de moi. Je fais attention à ne pas me faire mal, à ne pas me piquer. Je reviens. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Maintenant, commencez à accélérer vos bras. Et imaginez simplement un mouvement, vous faites 1-2 sur chaque aller-retour, d'accord? Donc quand je suis là, je fais un mouvement 1, un mouvement 2, je reviens un mouvement 1, un mouvement 2, je reviens un mouvement 1, un mouvement 2, 2, 2, 2, 2, 2, allez encore, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Je laisse un angle. En fait, vu que je suis sur un triangle, si mon attaque elle arrive droite, potentiellement quand je suis là, le gars il m'aura pas là. Par contre, j'ai un risque de l'angle 1 ici. Donc, il faut que je fasse attention à ça. On pense vraiment à cette notion là. D'accord, je change d'angle. Je suis ici. 1, 2. Pour les gens au couteau, je ne fais pas 1, 2 comme ça. Je vais vraiment lâcher. Le problème, c'est que le slash, ce qu'on appelle un slash, il fonctionnera si votre couteau est un bon couteau ou une bonne. Sinon, ça ne va pas forcément faire grand-chose. D'accord ? 1, quand vous revenez, il faut que ce soit fort aussi. Faut qu'il y ait une envie de. D'accord. Donc, on fait ça. Maintenant, on va ajouter un nouvel élément. Je suis avec mon arme. 1, 2, et je reviens au centre. Je pique. Alors, bien sûr, avec la bouteille, l'effet sera un peu différent, mais ça fait 1, 2. Si j'avais deux armes, je peux piquer avec l'autre. 1, 2, je reviens au centre. Je pique, d'accord? L'idée, c'est de piquer. Avec mon bâton, potentiellement, ça serait la même chose. Je suis là. 1, 2, et là, boum, je vais y aller plus pour percuter le visage. D'accord? Avec la dague, ça sera le corps. Le visage, c'est pas toujours simple et ça bougera plus. Là, le corps ne bougera pas. Donc, quand je fais 1, 2, boum, là, ou bam, le visage. Et le visage... Souvent, je reste pas ma main comme ça, j'ouvre, j'ouvre, d'accord? Ce qui fait que je suis là, 1, 2, j'ouvre. Et vous avez vu, toujours diagonale, ce qui me permet, le cas échéant, de venir tourner pour mon partenaire. Donc, on reprend à ce moment-là, ou merde, les gars, 32 minutes, pouce, merci. On continue, pour ceux qui sont encore là, sur notre forme Kali. Alors, un des points aussi qui est plus ou moins discuté, notamment au bâton, plus qu'au couteau, c'est que parfois, on dit qu'au niveau de la garde, il faudrait être même jambe, même armée. En fait, dans le travail des Dog Brothers, qui est moins de forme, vu qu'il tape très très fort, il préfère être comme avec le bras fort et celui qui est derrière parce que c'est celui qui va proposer le plus d'amplitude au moment où vous allez aller complètement lâcher. Je ne peux pas lâcher grand chose, sinon je vais péter des trucs chez moi. Mais en gros c'est bam, on y va fort, bam, pour lâcher. Vous avez vu, on retrouve comme quand on part sur notre coup de poing. Donc vous pouvez, si vous le voulez, hein, vous mettre comme ça. Moi, de façon générale, je mets mon arme de l'autre côté au départ. Et là, de toute façon, on va l'avoir momentanément. Bam. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, très bien. Donc, là, on reste dans notre idée d'évitement, d'esquive. Je repars. 1, 2, et lâche pas très loin, d'accord? Donc, je suis sur ma phase de combat, j'arrive. 1, 2, et là, je peux revenir. Juste trancher. Donc, je suis là. Je pars comme tout à l'heure. 1, 2, je décale davantage. Boum, 3. Comme un hurricane. Hurricane ou, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Wouah! Tetsui, coup de marteau. Potentiellement, je pourrais dire, je peux même taper avec le pugnot, c'est-à-dire le poignet. De mon bâton. Je peux pas le faire au couteau.
ça n'a pas de sens. Ce qui coupe, c'est ça. Donc, je ne le ferai pas au couteau. Je peux le faire au bâton. Je peux le faire à main nue. D'accord? Donc, on recommence. 1, 2, je décale. Bouh! Vous pouvez reprendre votre chicot pour voir un petit peu comment vous le sentez. Pensez, vous êtes avec une arme, lâchez-vous. Lâchez-vous. Si vous avez pris un couteau, ne forcez pas, vous ne faites pas de mal. C'est pour ça qu'on bloque souvent. Vous avez vu souvent, je ne fais pas ça, je fais ça. Je bloque un endroit pour éviter de faire le con et de me faire mal. D'accord? Allez, 1, 2, tcha! 2, tcha! 3, tcha! 4, tcha! 5, tcha! 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et donc on se barre de plus en plus de l'angle de mon partenaire. Ok, on reprend. On est en face. 1, 1. Et après, on fera le 2. Au départ, juste 1. 1. Et on y va. Donc, vous n'avez pas d'arme de l'autre côté. Si vous avez une deuxième bouteille de disponible, vous pouvez très bien vous dire, je suis sur ma posture. 1, 2. D'accord? Si on n'a pas deux armes, ce qui est quand même relativement courant, de ne pas avoir d'armes du tout, hein. Donc, on serait plutôt à faire 1, je repars, boum, je peux percuter, ou éventuellement, vous le refaites en angle 2, d'accord? 1, tcha! Et vous lâchez, vous n'êtes plus dans l'angle, d'accord? Tcha! Lâchez, diagonale, je remonte, tcha! Diagonale, allez, on fait ça, donc, on remonte, tiens, diagonale, ou raken pour ceux qui préfèrent, soit je prends en diagonale, soit je pars droit. Allez, c'est parti, tiens, 1, tiens, 2, à la limite, hein, vous pouvez le faire, 1, je reviens, 2, et si vous voulez, vous le refaites de l'autre côté, 2, 2, comme ça, ça va harmoniser. Allez, allez, on met un peu plus de kiné. Tiens, yeah, tiens, 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 tiens. Très bien. Alors, ce qu'on va juste faire, c'est... juste se lâcher complètement sur des angles 1. Je veux que vous, sur l'angle 1, vous alliez passer votre hanche. Et je veux que vous mettiez tous vos nerfs au travers de ce simple mouvement. Je commence là, je monte, bah, et je le laisse passer. C'est ma hanche qui emmène le reste. C'est ma hanche qui emmène le reste. Je veux vous lâcher. Donc, là, pendant quelques minutes, on va faire des trucs très simples. Mais je veux que vous lâchiez l'énergie, le kimé, que vous traversiez ce qui dérange, ce qui gêne. Imaginez-le. D'accord? On est ici, c'est parti. Ech! Deux, ech! Trois, ech! Quatre, ech! Cinq, ech! Six, ech! 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21, et
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lâchez-vous. Comme je vous ai dit, l'arme étant une extension, c'est super agréable de pouvoir se lâcher. On va vouloir complètement passer. Et vous allez comprendre pourquoi au tennis, ça fait du bien de faire lâcher. Relâchez-vous. Tenez bien votre bouteille, votre arme. Parce que parfois, l'erreur qu'on fait, c'est que vu qu'on va être un peu souple, ça part. Ça nous arrive souvent en entraînement. On doit réussir à avoir un grip qui est sympa tout en laissant la possibilité de lâcher le corps. Donc on va recommencer. Prenez votre bouteille. Et la même chose, juste lâchez-vous. Lâchez-vous. Pensez vraiment à cette notion d'aller transpercer le partenaire. Pensez à passer votre hanche. Là, on est sur de la boxe, on est sur du karaté, on est sur tous les styles qu'on connaît. Je passe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, go, look, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, go, look, 6, 8, 2, 10. Reprenez un peu. Donc, maintenant on va, à mon avis, je vais faire une connerie dans cette histoire. On va revenir angle droit. Angle droit. Coup droit. Ok. Psir. 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 Et donc, même principe. Vous allez revenir à chaque fois, passer votre hanche. D'accord, vous êtes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, go, look, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, go, look, 6, 8, 9, 10. Très bien. Le bâton, c'est vraiment chouette. La bouteille, le bâton, l'arme. D'accord? Les Philippins ne travaillent pas comme les Chinois ou les Japonais. On va avoir plutôt des postures qui vont être très droites, très, très carrées, surtout chez les Japonais, où il y a des moments où ça manque de souplesse. Les Philippins sont beaucoup en train de bouger et permettre d'avoir des angles qui sont différents, d'accord. Donc le bâton, pour moi, le bâton philippin, pas le bâton de Cali qu'on retrouve un peu en Indonésie, c'est vraiment l'arme qui se rapproche le mieux de la boxe, le mieux des systèmes qu'on connaît. Et merde, il est 44. Bon, bah, désolé, on n'a pas fait nos renforts. Je vous invite à faire vos renforcements après. Pensez à vous hydrater, à vous faire du bien.
à faire attention à vous, prendre soin de vous. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on évite de rester trop sur l'axe d'attaque des partenaires. Ça paraît cohérent, mais le problème, c'est qu'en combat, clairement, quand on est stressé et autres, on reste souvent sur l'axe d'attaque. D'où le fait du renforcement. Soit je suis petit, léger, et je vais bouger comme une balle, c'est cool, j'esquiverai. Ça ne veut pas dire que je taperai à chaque fois, mais au moins, je peux esquiver. Soit je ne le suis pas, donc vous êtes un peu plus un nounours comme moi, ou moi, déjà, par instinct, même quand je suis plus léger, j'encaisse pas mal. Donc, le mouvement n'est pas toujours, l'esquive n'est pas toujours ce que qui est mis en priorité, ce qui est une erreur. Sauf qu'il faut aussi voir les combats par rapport au gabarit de tout à chacun. Et on sait que plus on est lourd, moyen de mobilité, mais plus les coups peuvent faire mal. Donc les contres, même si on encaisse et qu'on contre, peuvent faire beaucoup plus mal qu'un léger qui parfois va contrer, même deux coups. Et le gars en face, bah, il aura un peu mal, mais pas trop, il pourra encaisser. C'est vraiment des choses à voir, on en parlera ultérieurement. Et bah, si vous avez des remarques, vous les partagez sur Facebook. N'hésitez pas à vous prendre en photo en train de faire vos cours, c'est sympa. Là, vous êtes à 32 ou 33 jours d'entraînement, donc bravo et à très vite. Ousso.